Okay. Cher journal, c'est le 10e jour au camp aujourd'hui. Eh bien, j'ai toujours pas rencontré de grand amour, mais l'espoir est éternel. J'ai fondé ma communauté de bimbo et même Groucha et Marussia en font partie. Eh bien, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Je pense que je vais prendre une sucette. Et les autres, je vais les garder pour la semaine. Et celui-là pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah non! Non, celui-là non plus! C'est trop difficile d'être une bimbo! Knopa, mais qu'est-ce que tu fais à ta table? Et toi, Zouza? Pourquoi je suis la seule à faire les essayages? T'es obligée de crier! J'écris dans mon journal et tu me déranges! Donc, la société des bimbos s'agrandit. Génial! Eh bien, Marussia, je suis désolée, mais on a un nouveau colocataire, c'est Timon! Non, mais les filles, c'est normal! La table est occupée par Knopa qui écrit ses pensées. Le lit est occupé par Zouza qui ronfle et qui pète dedans. Et lui, il pue le radis. C'est moi qui te le dis, il dormira pas ici. Comment trouver la manucure parfaite pour moi? Blanc, rose ou peut-être noir? Oh, je sais, mes amours, vous pouvez m'aider. Téléchargez mon nouveau jeu Diana City et jouez avec mes ongles au salon de beauté. Partagez vos choix et dites-nous quelle est votre couleur préférée. Lien pour le jeu dans la description. Marussia, mais t'es folle! Ne lance pas mon Timon! Je veux m'asseoir là! Arrête ou je te frappe! C'est mon Timon! Je l'aime! Arrêtez de crier! Vous êtes des bimbos! Arrêtez de faire les sauvages! Tu ne sais pas qui c'est qui me l'a donné! C'est mon petit ami! Lorsqu'on sortait ensemble! Aujourd'hui, je suis sauvage! J'en ai rien à foutre! Écoute-moi, espèce de lâche! Dégage d'ici! Timon t'ordonne de dégager d'ici! Va t'asseoir là-bas! T'as compris? Tu sais quoi, Zouza? Je crois que Timon vient de me dire d'aller te faire voir là où tu sais. J'en ai tellement marre de vivre avec ces perdantes. Il faut que je l'écrive. Donc, Marussia ne veut pas être une bimbo, elle veut être une sauvage. C'est ça, Knopa. Écris que Marussia est une sauvage et que moi, je suis dans la société des bimbos. Allô, Diana? Tu en as encore pour longtemps? Est-ce que tu as pris mes masques au moins? Ah, tu as presque fini? Très bien. Oh, mais il y a encore! Mince, Nastia! On aurait dû aller récupérer nos colis nous-mêmes! Oui, Lialia, et on aurait emmené tout le camp avec nous! Tu sais quoi? Je préfère aller à la poste plutôt que de rester assise à attendre! Tu sais quoi, Lialia? Je crois qu'elles sont allées dans un café, boire des cafés, manger des gâteaux! C'est leur style, elles aiment ça! 2 minutes et nous serons là! Allez, c'est bon! Diana, c'était qui? Nastia, elle s'inquiète pour ses masques! J'ai l'impression qu'on leur a fait quelque chose! C'est normal! On a pris un café au lait et un gâteau. On a le droit, non? Ça va? Je suis propre? Oui, Diana, ça va. Ok, allons-y. Les gars, personne ne doit savoir que nous fumons. Hostia, tu ne le diras à personne. Les gars, pourquoi je le dirais? Hostia, tu es le seul qui ne fume pas. Hostia, peut-être que tu es une taupe. Attention, Hostia, ou tu auras des problèmes. Je ne le dirai à personne. Faites-moi confiance. Allons voir les filles. Elles n'ont qu'à attendre. 2, 3, 4 1, 2 Lialia, attends. 1, 2 Les filles, vos masques sont là. Venez. 3, 4 Enfin. Les filles, avouez, vous étiez dans un café. C'est sûr que vous y étiez. La bouche de Diana est encore toute sale. Les filles, ouais, on est grillées. Oui, on était dans un café. Vous voyez, on faisait la queue à la poste. Et on a eu faim. Regardez ça. Celui-ci, c'est le mien. Attendez une minute, les filles. Laissez-moi récupérer ce que j'ai commandé. Il y a ça, ça et ça. Ok, les filles, je récupère ma commande. D'accord, je prends ce que j'ai commandé. Ok, je prends aussi celui-là. J'ai commandé genre 6 masques. Très bien, les filles. Rentrons à l'intérieur parce que le temps se gâte. Les filles, descendez! Il va bientôt pleuvoir. Salut les gars! Les filles ne veulent pas sortir. Zouza et Marussia se disputent. C'est sérieux? Qui se bat contre qui? Dis à Zouza de se calmer, sinon je vais la faire mettre en pièces par Marussia.
Ne touche pas Zouza. Je leur ai déjà dit. Essayez aussi de leur expliquer. Elle se chamaille pour une place sur le canapé. C'est ça. Je vais m'occuper de Marussia. Et moi, je vais m'occuper de ta Zouza. Les gars, ne vous occupez pas d'elle. Laissez-les se débrouiller toutes seules. Ouais, allons-nous fouiller dans les affaires des filles? Vraiment, pourquoi on devrait se mêler de leurs affaires? Konopa, dis à Zouza de tenir bon. Allez, partons les gars. C'est ça les gars. Allons-y. Allez, Smile, voyons qui peut sauter plus haut. Moi et mon ballon. Tu vois, je suis le meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est Smile et Bros. Eh bien, on sait ce qu'ils font. Les filles, vos mecs ne font rien du tout. Au moins, mon Max, il est allé à l'épicerie. Vous voyez? Yaya, s'il te plaît, ne te fais pas de mal pour ça. Les basketteurs! Oh, salut les filles. On repart le trampoline. Je crois que les perdants l'ont cassé. Nous avons presque terminé de le vérifier. Smile, tu me déçois. Écoute, Bros, s'il te plaît. Ne sois pas comme Smile. Ne fais pas comme lui. Ton Bros n'est pas meilleur que mon Smile. Les filles, on y va. Vous allez pas vous battre quand même. Les gars, je vous conseille de vous rendre utile. Mon Max sera bientôt le chef des basketteurs dans ce camp. Quoi? Oh mon Dieu, je déteste tellement Lialia. Elle aime nous faire chier. Tu vois, Marussia? Ne me cherche pas. Je suis petite, mais je suis forte. Zouza, fais pas ça. Sinon, je vais me plaindre à Artiem. Et tu vas voir. Vous vous battez encore? Vos mecs n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une bimbo. Et elles se battent pas. Knoppa, tire-toi. Tu m'entends, Marussia? Je vais te transformer en chair à pâté. Tu me mets hors de moi. Qu'est-ce que t'as fait à mon tigre, hein? Franchement, les filles, je crois qu'il est temps de fermer ce camp. Tout devient incontrôlable. Non, Diana, ne fais pas ça. Je ne veux pas rentrer chez moi. Et moi non plus. Les filles, ce camp est hors de contrôle. Totalement. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais pas ce qu'il doit. Mais arrête! Je te le dis, Marussia! Je vais te casser la figure! Arrêtez de vous battre, les filles! Vous êtes des bimbos! Les filles, vous entendez ça? On dirait le chaos. Ces perdantes ont du culot. J'ai une suggestion. On vire tous les perdants et nous, on reste ici. Oui, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en voilà un comportement normal. Tu m'entends, Marussia? Je vais te réduire en poudre. Je t'entends, petit kebab. Lâche-moi la grappe. J'y suis pour rien. Il faut les séparer. Zouza, enlève-toi vite de Marussia. Je vais te casser en deux. Et écoutez-moi, les pom-pom girls. Vous feriez mieux de pas me toucher. Je suis trop énervée, là. C'est la merde. Je vous conseille de ne pas vous en mêler. Partons d'ici. C'est le bordel total. C'est bon, les filles. Mais c'est quoi ce bordel ici? Bruce, allons voir les pom-pom girls et présentons nos excuses, disons qu'on ne recommencera plus. Ouais, dès qu'elles disent quelque chose, on le fait. Elles ont été méchantes ces derniers temps. Smile, regarde, c'est qui? C'est la petite sœur de Diana. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est un camp pour adolescents. Oh les gars, salut! S'il vous plaît, vous pouvez porter ma valise? Je suis si fatiguée. Quel genre de petit lévrier est-ce? C'est Dana, la sœur de Diana. Est-ce que tu viens rendre visite à Diana? Il me semble que c'est un camp pour adolescents, alors qu'est-ce qu'elle fait là? Arrêtez vos blabla, les mecs. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Prenez ma valise. Tu entends ça, Smile? C'est la petite frimeuse à Diana. Oui, Diana tout craché, tu n'as pas remarqué? Wow, qu'est-ce qu'elle a chargé là-dedans? Allez, porte la valise. C'est pas trop tôt, je suis enfin au camp. Dana, où est-ce qu'on met ta valise? Comment ça, où les gars? Au premier étage. C'est la petite sœur de qui déjà? De ta petite amie? Prends ça. Ça ne m'emballe pas l'arrivée de cette petite. Faites la paix. Je ne veux pas être la première à pardonner à cette idiote. Marussia, commence alors. Non, je ne veux pas faire ça. Eh, salut les filles. Les filles, il a une nouvelle qui veut vous voir. Dana? Dana, tu fais erreur. Ici, c'est un camp. Pour les ados. Où sont grand-père et grand-mère? Ils sont là aussi? Les filles, je suis venue sans mes grands-parents. Les garçons, vous pouvez y aller. Ouais. Dana, tu vas rester dans cette chambre avec nous? Oui, les filles, je vais vivre avec vous. J'ai emmené ma collection de maillots de bain. Je vous les montre? Ça serait cool. Les filles, au fait, j'ai apporté mon lapin. Il s'appelle Fluffy. Salut, Fluffy. Et j'ai décidé qu'il va dormir.
ici. Quoi? Haha, ça t'apprendra. Ok les filles, calmez-vous, calmez-vous. Il doit bien y avoir une erreur à propos de Dana. Alors les filles, vous êtes prêtes à voir mes super maillots de bain? Regardez cette gamine, elle se prend pour qui? Détendez-vous, on va peut-être bien s'amuser. Alors ça c'est sûr, mon Timon il va s'amuser, il est déjà par terre. Peu importe les filles, regardez ce magnifique maillot de bain avec des flamants roses. J'ai un magnifique maillot rose avec des rayures blanches. Il y a aussi un magnifique maillot de bain fluo. Et encore un très joli maillot de bain. Je suis choquée. Cette gamine a plus de maillots de bain que moi. N'est-ce pas, Marussia? Moi, elle me saoule déjà. Regardez, j'ai aussi emmené mon parfum. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Au fait, les filles, l'eau de la piscine, elle est comment? Elle est chaude! Elle est chaude! Surtout au début! Alors, les filles, on se fait quel masque aujourd'hui? Au chocolat! Ah oui, les filles! Prenons celui au chocolat au lait! Diana, il y a un problème! Un gros problème! Un très gros problème! Bros, c'est toi le problème! Le gros problème! Smile, va voir ailleurs! Nous sommes occupés en ce moment! Les basketteurs? Ok, Diana, si tu te fiches que ta sœur soit ici. C'est le genre de petite sœur qui vient au camp pour adolescents. Vous vous en fichez, ok? Arrêtez! Quoi? Ta sœur est ici? Diana, de quoi parle-t-il? Comment ça? Une petite fille? Oui, Nastia, la petite. Dana est ici? Mes grands-parents sont là aussi? Non, tes grands-parents ne sont pas là, heureusement. Juste Dana et sa grosse valise. Diana, de quoi ils parlent? Les filles, je suis en état de choc. Allons-y. Oui, allons voir. Dana, tu vas dormir où? Les filles, avec vous ici? Dana, qui vont être tes amis? Tu sais, il n'y a que des grands ici. Eh bien, je serai amie avec les sportifs. Oh, les sportifs! Dana, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Diana. Diana, ta sœur est ici pour le camp. Dana, tu as une très grosse valise. Tu vas rester combien de temps? Les filles, vous ne voyez pas? Elle a des maillots de bain. Elle est là pour faire la fête. Dana, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Diana, on discutera demain. Là, je suis trop fatiguée. Veuillez libérer notre chambre pour le moment. Les pom-pom girls, vous avez entendu? Sortez d'ici! D'accord, Dana. On discutera demain. Diana, est-ce qu'elle va rester au camp? Bien sûr que non. Je vais appeler papy et mamie et demain ils viendront la chercher. Elle n'a rien à faire dans un camp pour adolescents. Les gars, je suis en train de flipper. Ma sœur Dana est venue à notre camp. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. À plus tard et au revoir. Kostia, dernier leveur de chèvres. Je suis le plus fort. Nous allons probablement devoir fermer le camp parce que c'est un désordre total. Ne fais pas ça, Diana. Je ne veux pas rentrer à la maison. Non, moi non plus. Les filles, au camp, au camp.